Bonjour et bienvenue Ami Balance pour votre tirage de la première semaine du mois de mai. Alors j'ai fait mon tableau et j'ai eu deux cartes en plus. Donc je les laisse retourner comme ça on peut déjà. Ça va déborder sur la deuxième semaine ou même la troisième semaine du mois de mai. Alors ici, vous allez passer à l'action avec l'impératrice. Vous allez commencer à créer. Et surtout, passez à l'action. Si vous êtes un peu en ce moment dans la procrastination, eh bien, sachez que vous allez passer à l'action. On vous l'annonce déjà cette première semaine, mais je pense que ça va déborder sur la deuxième et même troisième semaine. Alors ici, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui représente un homme bien. Au niveau financier, est-ce que vous allez passer à l'action au niveau sentimental ou est-ce que vous allez passer à l'action et gérer quelque chose de créatif? Est-ce que vous allez lancer quelque chose, créer, comment je peux dire? Moi, j'ai plus créé. Vous allez créer quelque chose au niveau artistique. Il y a quelque chose dont vous êtes doué et vous allez commencer, vous allez vous lancer. Voilà, vous allez vous lancer et vous allez gérer ça. Alors, on va, avant de retourner les autres cartes, ici en dos, en tout cas, j'ai l'acquis. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, ici, l'image pourrait nous dire que vous gardez votre acquis pour vous, que ce soit de l'argent, que ce soit des expériences. Est-ce que vous allez apprendre? Justement, vous avez un acquis, vous avez un potentiel ici, peut-être d'expérience ou d'argent, et que vous allez enfin vous lancer. Est-ce que c'est dans l'apprentissage? Ici, j'ai de nouveau cette reine de bâton qui, elle est aussi dans le passage à l'action. Elle ne se laisse pas faire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle réussit tout ce qu'elle fait. Donc, et là, vous êtes quand même, vous vous bloquez tout seul parce que vous êtes dans le mental. Vous êtes indécis ou indécise. Et là, il y a quelque chose qui vient vous bloquer, mais pour vous permettre ou de mûrir. Le lancement de création artistique ou je ne sais pas, moi, quelque chose que vous connaissez et que vous avez l'expérience où vous allez regarder le problème sous un autre angle. Quoi qu'il en soit, grâce à ça, vous allez enfin vous dire, je veux et j'obtiens. Et regardez. L'apothéose, la réussite et l'accomplissement. Hein. Et là, il y a peut-être l'amour aussi qui arrive. Hein. Ça vient apporter une stabilité, là, un équilibre grâce à cette prise de décision. Hein. J'ai le couple ici en plus. Est-ce que vous allez rencontrer un homme qui est du même signe que vous? Hein? Vous me ferez savoir dans les vidéos. Hein. Là, j'ai été vachement loin. Là, on est carrément en juin-juillet. Allez, on va voir quelle est l'énergie principale pour vous, amis Balance, pour cette première semaine du mois de mai. Déjà, les choses s'annoncent bien. On va voir ce qu'il y a derrière les cartes. Et on va voir quelle est votre énergie principale aussi pour cette première semaine du mois de mai 2023. Alors, pour les balances, j'en ai une. Tant de vie en vous avec la péridot. Péridote ou péridot, c'est une pierre verte, elle est magnifique. Moi, je trouve qu'elle est plus belle que le saphir. Et ici, on vous dit que vous avez beaucoup de vie en vous, mais pas seulement que de la vie, hein. Vous avez beaucoup de. Allez. Beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que j'ai en dos? La Oolite qui, elle, vous dit, vous êtes la base. Découvrez-vous, au faites-vous découvrir. Émerveillez-vous. Bon, ben là, l'invitation, elle est super belle. Je vais la mettre là, comme ça, je l'ai en vue.
Et on va retourner les cartes. Alors, on commence déjà avec l'effondrement. Bon, ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. C'est des nouvelles que vous attendez et c'est des nouvelles qui vont déstabiliser. Alors, si je laisse ça là comme ça m'annonce un effondrement économique. L'effondrement de votre stabilité financière. On en est là aux balances, hein, et c'est à titre personnel. J'ai l'insatisfaction par rapport à l'apprentissage. Donc, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous lisez ou de ce que vous apprenez. Mais j'ai le soleil. Le soleil et la foudre m'annoncent déjà un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre qui est par rapport à quelque chose que vous allez apprendre? Je veux dire, dans le fait d'apprendre pas les nouvelles qui vont venir vous déstabiliser, mais sur le fait d'étudier quelque chose, d'approfondir quelque chose. Allez, on va retourner. Ben, il va y avoir un coup de foudre, hein, mes loulous. Hein. Vous allez avoir un coup de foudre et je peux déjà vous dire qu'un des deux a plutôt un caractère solaire. Quelqu'un qui est solaire et l'autre qui est plutôt réservé. Hein. Alors, il y a un coup de foudre là. Alors, on va commencer à lire les cartes. Hein. Si je les prends comme ça, il y a un effondrement personnel pour vous. Hein. Si je les prends ici, on parle un peu du passé, de ce que vous avez vécu peut-être en avril. Il y avait beaucoup d'insatisfaction, il y avait beaucoup d'ennui et votre intuition vous donnait des messages où vous, cette insatisfaction, elle était peut-être due au fait que vous saviez, votre intuition vous disait, vous donnait des messages où vous ne saviez pas. Voilà, vous étiez insatisfait ou insatisfaite, mais ne sachant pas exactement pourquoi. Parce que la lune nous parle du foyer. Maintenant, il y a un effondrement au sein du foyer ici. Hein. La lune nous parle de gestation, nous parle du foyer, nous parle d'intuition, d'illusion, de ressenti, de secrets aussi, de choses cachées. Ici, par contre, j'ai l'accomplissement familial. Hein. On a cette envie de transmettre, on a envie de transmettre ses connaissances à la jeunesse. Mais il y a un manque, peut-être un manque d'information. Votre formation n'est peut-être pas complète ou finie. Donc j'ai un manque au niveau émotionnel, mais concernant des connaissances. Alors, si je prends ici, eh bien, vous allez avoir des nouvelles qui vont venir vous déstabiliser, qui vont même provoquer une catastrophe. Vous serez dans le manque au niveau financier et en même temps, ça va mettre en lumière une situation. Moi, je vous donne tous les cas de figure que les cartes me disent, hein. Bon, maintenant, si je les associe toutes, hein, surtout les arcanes majeures, ici, on me dit qu'il va y avoir un couple qui va se former de façon inattendue. Un couple qu'on ne pensait pas qu'il aurait pu se former. On nous parle d'un coup de foudre. Je vous dis, hein, on a quand même l'opposé. Si on a quelqu'un de réservé et quelqu'un de solaire, c'est le jour et la nuit. Eh bien, de façon inattendue, ici, il y a un couple qui va se former. Un couple voilà, qui était plutôt à prévoir une catastrophe. Hein, c'est un couple qui se forme d'une façon tout à fait étonnante. C'est le succès. Ça va être le succès, mais de façon imprévue. Les gens s'attendaient à une catastrophe et plutôt c'est le contraire. C'est le succès et c'est vraiment le coup de foudre subi et réversible. Maintenant, on peut nous parler aussi de déménagement ou de disputes sévères avec sa mère, hein, puisque ici, on a quand même la lune qui représente la mère, la maman. Hein.
Il se pourrait aussi que vous rencontriez de façon inattendue une femme qui soit brillante et qui soit dans le succès intellectuel. Bon, ici, quoi qu'il en soit, on me parle d'un homme et d'une femme, d'une rencontre évidente où c'est l'homme qui va faire le premier pas, hein, ou les premiers pas pour vous conquérir. Maintenant que vous soyez un homme ou une femme, quelle que soit votre orientation sexuelle, moi je suis un petit, je vais être franche avec vous, je suis un peu perdue maintenant avec tout ce qui se passe, avec tous des noms bizarres. Moi je connaissais homosexualité, hétérosexualité, transgenre, mais tout ce qui a les dénominatifs maintenant pour oh, les noms genrés, tout le tralala, vous allez adapter le tirage à votre situation et à votre orientation sexuelle, ok? Comme ça, moi, j'ai pas à me casser la tête à essayer de comprendre, parce que je m'en fous, en fait, hein? Moi, je pars vous faites ce que vous voulez de votre cul, hein? Ok? Donc, moi, là, je vous dis ce que les cartes me disent. Maintenant, vous l'adaptez à votre orientation sexuelle. Mais ici, on me parle d'une histoire d'amour, d'un coup de foudre qui va avoir lieu. On est dans le général, et pourtant, c'est ce que ça m'annonce. Et là, vous serez dans la création vers la deuxième et la troisième semaine. Est-ce que vous allez être enceinte? À vous de me dire. Quoi qu'il en soit, vous allez passer à l'action et vous allez commencer à réaliser et à mettre en chantier un projet créatif ou des projets créatifs. Voilà. Je crois que j'ai été assez claire. Et ici, de toute façon, vous annoncez beaucoup de vie en vous, hein. Est-ce que maintenant, la vie qui est en vous et le fait que vous allez avoir un bébé, hein? Il y a quand même un coup de foudre ici et il y a un couple qui va se former chez vous, ami Balance, et qui va peut-être mettre en chantier une famille, hein? Voilà, allez, on va voir au niveau sentimental. En tout cas, ça c'est beau déjà dans le général. Là où vous pensiez peut-être avoir perdu, eh bien vous gagnez sur toute la ligne. Ami Balance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre celle-ci et on va voir quelle est l'énergie au niveau sentimental pour la première semaine du mois de mai pour les balances, que vous soyez de n'importe quel bord, hein, d'accord? Je l'ai dit une fois, je n'ai pas besoin de le redire. Vous l'adaptez à votre situation amoureuse, à votre orientation sexuelle. C'est à vous de voir, hein. Allez, alors, première semaine du mois de mai sur le plan sentimental pour les balances. Hop là, aïe, 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 aïe. Ah! Il faut laisser tomber le masque, hein, là. Vous donnez une fausse image de vous, hein. Au niveau sentimental, vous ne donnez pas du tout, vous ne montrez pas ce que vous êtes réellement, hein. Je vais en prendre une autre. Bon, écoutez, ceci, je vais vous les montrer, mais c'est celle-là que je vais prendre. Voilà, l'amour. Au niveau sentimental, vous vous protégez. Vous donnez une fausse image de vous. Et là, on vous dit, il y a plein de gens qui vous aiment autour de vous, donc bah, les masques. Qu'est-ce que j'ai ici? L'intuition. Lâchez l'entrave, hein, et lancez-vous sur le pont du futur. Vous allez écrire une nouvelle page, hein. Mais vous êtes prudent, ami Balance. Alors, on va voir ceux-ci, qu'est-ce qu'ils nous disent. Voilà, changez d'angle pour voir un problème qui se plante devant vous. Là, on a quand même ces deux, comment dire? Vous avez deux portes là, entrouvertes, mais qui vous bloquent un peu la vue de la lune. Et on vous dit, déplacez-vous, regardez le problème sous un autre angle et vous allez avoir la solution qui va apparaître. Vous cherchez votre place. Alors, une fois que vous l'aurez trouvée, votre place, eh bien, tout va se mettre en place direct. Enfin, les choses vont être fluides. Là, vous vous laissez manipuler par vos pensées. Et ici, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bas les masques, montrez qui vous êtes réellement, mes loulous, pour cette première semaine du mois de mai.
Alors, on va prendre celle-ci pour les célibataires et ça, on prendra pour les couples. Alors, les couples, wow, culpabilité. Pourquoi? Vous vous sentez coupable. Vous êtes replié sur vous-même. On vous montre du doigt peut-être là, hein, pour les célibataires. On vous montre du doigt, vous vous sentez coupable par rapport à une séparation. Bon, ici, il y a une histoire qui vous revient en pleine figure, hein. Vous avez lancé quelque chose, mais qui va vous revenir en pleine figure, hein. Et là, vous avez quand même la culpabilité et vous avez ce besoin de vous isoler, hein. C'est peut-être une introspection que vous allez faire maintenant, hein. Allez, pour les balances, première semaine du mois d'août, il y a du retard. Du retard, hein. Vous avez un souhait là, mais vous le retardez. Vous êtes encore dans ce truc-là, hein. Allez, un souhait ou un rêve est retardé. Et pourtant, on vous dit oui, hein. Bon, il y a quelque chose qui va vous revenir à la figure. C'est peut-être une situation, une séparation du passé qui n'a pas été complètement réglée et qui va devoir être faite avant que vous puissiez enfin tourner la page, hein, ici. Vous apportez du retard tant que c'est pas fait. On a ce serpent aussi qui manipule, hein, ici, hein. Donc faites attention, hein. Vous vous faites manipuler par vos pensées. Eh oui, on vous dit oui en plus, hein. Quoi qu'il en soit, la situation qui va vous revenir en pleine figure, hein, vous avez la réussite dessus, hein. Alors, pour les célibataires, mois de mai, première semaine du mois de mai 2023, vous allez avoir de l'aide. Nouvelle rencontre ou nouvelle possibilité de régler cette situation et un compromis va être trouvé. Alors, on nous parle peut-être d'une situation qui n'a pas été complètement réglée et ça nous parle d'argent. Donc, il va y avoir une réunion. Vous allez rencontrer cette personne avec qui les choses n'ont pas été réglées. On vous dit que vous allez trouver un compromis par rapport à une séparation du passé, mais vous voyez, ça déborde vers la deuxième semaine du mois de mai, si même pas la troisième, hein. Donc ici, il va y avoir ou un problème d'argent, et donc vous allez vous rencontrer, vous allez en discuter et trouver un compromis, et vous pourrez enfin tourner la page et vous projeter vers l'avenir. Mais il va falloir régler, voilà, séparation. Il y a peut-être des biens ici, hein. Il y a une séparation de biens qui doit se clôturer. Un problème familial dû à une situation, voilà. On a la tranquillité, mais une fois que ça sera réglé. Maintenant, ici, on pourrait dire, on pourrait croire que cette personne dont vous vous êtes séparé, hein, peut-être que vous avez été marié aussi même avec cette personne, hein, bien, elle peut revenir dans votre vie, hein. Mais là, vous allez devoir régler cette situation du passé. Vous avez lancé peut-être quelque chose, elle vous revient en pleine figure, mais de façon positive, et vous allez trouver un compromis. Alors, ici, vous avez une introspection, vous avez un souhait, vous vous isolez, vous n'osez pas montrer qui vous êtes réellement. Peur de décevoir ou peur qu'on vous culpabilise ou qu'on vous montre du doigt, je ne sais pas. Mais si vous avez un nouveau départ ou une nouvelle rencontre, c'est peut-être une personne étrangère ou qui vit dans une autre région. Là, il y a une histoire, hein, qui tarde à être réglée. Vous vous sentez coupable ou alors ça vous poursuit encore, hein. Et faites-vous aider alors, hein. Parce que vous retardez votre vie tant que vous n'avez pas réglé ça, mes loulous. Je vous ai dit, hein, ce qui vous attend. Allez, on va voir pour les couples maintenant.
Balance pour les couples, qu'est-ce qui se passe? On tourne en rond ici, hein? Ou alors tout tourne autour de vous. Ou alors maintenant vous avez peut-être tendance à vous centrer que sur vous-même. Vous entreprenez quelque chose, ok. Les couples, signe de la balance. Toi, tu voulais venir. Ouais, il y a un peu. On préfère s'isoler un peu, hein, là. Bon, ici, il y a le désir, en tout cas, de faire quelque chose de nouveau. Ah. Il y a un nouveau projet, hein. Mais on va faire la lumière ici. Ouais. On va faire la lumière sur une situation. Bon, j'ai la carte du désir, en tout cas, ici. Est-ce que c'est le désir d'un enfant? Est-ce que vous êtes trop centré sur vous-même? Ou est-ce qu'un des deux est trop centré sur lui-même sans tenir compte de l'autre? En tout cas, ici, vous entreprenez quelque chose pour... vous allez peut-être exprimer, hein? Ici, j'ai le bouche à oreille. Vous allez entendre parler peut-être d'une situation ou d'un souhait, d'un désir d'enfant. Il y a un nouveau projet en tout cas qui est en gestation. Hein. Il y a une mise en lumière par rapport à un homme. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'abondance. J'ai l'abondance et en même temps il y a un blocage et cette porte qui est fermée. Vous tournez le dos. Mais vous êtes obligé de vous rencontrer. Hein? Vous essayez peut-être, en fermant cette porte, vous essayez de faire abstraction de tout ce que vous avez vécu, puisque vous vous dites, j'ai tourné le dos, j'ai plus rien à voir, même si je revois cette personne, je ne m'attarde pas à tout ce qui s'est passé. Alors, comme je vous ai dit, bouche à oreille, c'était peut-être une union, hein, que vous pensiez qui allait avancer. Mais là, vous voyez, hein, vous avez tourné le dos. Hein, et là, vous préférez vous taire, vous ne donnez même plus, vous ne regardez plus et vous ne dites plus rien. Vous avez tourné le dos, vous allez entendre parler de choses, mais vous dites stop, non, non, ça va, je ne veux rien savoir. Et c'est comme ça que vous allez récupérer en santé. Et votre cadeau, ben, c'est d'être dans la tranquillité, hein, mes loulous. Ouais, c'était une histoire trop instable. Hein. On va vous apprendre quelque chose. Hein. C'est votre période de chance. Vous allez apprendre des choses sur une histoire qui s'est terminée. Ça concerne une femme. Et vous allez vous rendre compte que peut-être ça ressemble à la vôtre d'histoire. Hein. Il y a des hauts et des bas ici. Quoi qu'il en soit, vous allez entendre parler d'une situation, vous allez peut-être devoir revoir cette personne à qui vous avez tourné le dos, avec qui vous avez été en union, mais vous ne voulez absolument plus rien savoir de cette personne, vous ne voulez plus la voir, vous ne voulez plus lui parler, voilà, vous avez tourné la page, pour vous c'est une histoire qui est terminée. Mais pourtant, il y a une mise en lumière là qui va être faite. Hein. Il y a une mise en lumière qui va devoir être faite par rapport à une histoire du passé ou à une de vos relations du passé. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai là? Ben, je vous l'ai dit. Hein. Et qu'est-ce que j'ai en dos? J'ai la sagesse. Hein. J'ai la sagesse. Vous êtes sorti de cette histoire. Mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. À vous de choisir. Vous optez pour la. Voilà, vous avez signé là pour. Vous êtes tranquille, vous êtes seul et vous êtes tranquille. Même si c'est difficile pour vous, mais voilà. Ici, on nous parle d'une situation difficile que vous avez vécue avec quelqu'un, mais qui va revenir dans votre vie et qui va devoir être éclaircie. Voilà, mes loulous, je vous laisse avec ce tirage, amis balance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter si ça vous parle, bien sûr. Ne serait-ce que mettre un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Voilà.
Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.